reach the fame again. On the mic, man, for my peace, my friend, my crew, my rider. You know, it's how we do. Afrobeat style, we going freestyle. Let's make it, let's drown. People scream wild. Je m'appelle Alexis Lezolneux. D'accord. Comment tu en es venu à participer à l'événement? Je connais des riders de Lyon depuis quelques années. Et puis c'est un événement qui est organisé par des gens de la scène. Et voilà, ça se fait naturellement. Il n'y a pas énormément d'événements de ce type en France. Donc c'est toujours bien de venir les soutenir. Voilà. Alors, quel est ton objectif vis-à-vis du BMX, du flat? Pour moi, c'est une grosse partie de ma vie, c'est-à-dire que c'est devenu ce que je fais, tout simplement. Et c'est passé par plusieurs étapes, hobby, passion, et puis maintenant c'est un espace de création en fait pour moi. C'est là que je mets ce que je ressens et j'ai un mouvement en tête et je vais faire tout ce qu'il faut pour l'apprendre. Voilà. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mais c'est une formidable expérience. Alors raconte-nous ta vision du BMX et plus ou moins ton concept vis-à-vis de ton histoire et de ton idéologie un peu du bike, quoi. Ok. En fait, moi, j'ai commencé vers 1983-84. J'étais tout gamin. Et tout simplement, ce qui m'a guidé, c'est le plaisir d'être sur mon vélo, même sans savoir faire des figures extraordinaires, mais juste avoir des sensations simples. Et puis après, apprendre mes premières figures. Et là, j'ai réalisé que j'avais un certain contrôle sur ce que je pouvais faire avec mon vélo. Et puis petit à petit, c'est devenu une vision entre guillemets artistique où en fait on peut apprendre absolument tout ce qui nous passe par la tête avec un peu de travail. Donc c'est une expérience, c'est l'expérience d'une vie en fait pour moi. Voilà. Et aujourd'hui, on est en 2012 et j'ai pas mal avancé, j'ai encore beaucoup d'idées et ça s'est construit petit à petit avec beaucoup de boulot quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en fait il faut juste apprécier le moment. Et même si quand on apprend un mouvement, c'est très dur techniquement et même physiquement et que ça demande beaucoup d'efforts, mais en fait c'est une chance de pouvoir le faire. Donc moi j'essaye d'apprécier ce moment. Chaque jour quand je vais rouler plusieurs heures, je pense que j'ai une grande chance de pouvoir faire ça. Donc c'est ce qui me guide, c'est vraiment le plaisir d'apprendre, quoi, tout simplement. Et ça pourrait être autre chose dans la vie, mais il se trouve que c'est le flatland dans les mix. C'est infini en fait. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour m'exprimer là-dedans, mais en tout cas ça dure un bon moment. Voilà. Et d'où quand tu t'en es venu au flat, tu as commencé tout seul ou tu étais un peu entouré? T'as commencé où exactement le flat? J'ai commencé en banlieue parisienne. Au début, en fait, je faisais quasiment pas de flat. C'était des sauts sur des petites bosses qu'on construisait avec des pelles. Et puis, moi, j'étais au début du... Enfin, au début de la première vague du BMX en France. Donc,
Il n'y avait pas de subdivision entre Flatland, Dirt, Street, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait juste un ensemble, c'était le freestyle. Et on apprenait diverses choses, voilà, que ce soit sur du sol, sur des bosses, sur des rampes. Après, la spécialisation, elle est venue parce que voilà, naturellement, chaque branche est devenue de plus en plus évoluée. Donc après, on choisit plus ou moins ce qu'on veut faire. Mais, ça, c'est une passion qui s'est nourrie au fil du temps. Donc, après, ça, c'est devenu une vision, effectivement. Une vision où je me suis mis à bosser pour faire tomber les limites, quoi, tout simplement. Les barrières que j'avais en tête depuis tout petit, depuis mes premières années en BMX, on se dit que les choses sont impossibles, et puis en fait, au fil des années, elles le deviennent, tout simplement parce qu'on roule beaucoup. D'accord. Et vis-à-vis de ton début et de maintenant, l'évolution du BMX, du flat, quelle est ta vision plus ou moins ? L'évolution du flat, elle est radicale, c'est-à-dire que le flat est devenu beaucoup plus mobile qu'au début. Et quand je parle de mobilité, c'est aussi c'est le contrôle qu'on a sur le vélo. Le niveau technique fait qu'on peut s'exprimer beaucoup plus largement et créer des mouvements plus élaborés. D'accord. Par rapport au début du flat, qui était souvent statique, ou alors, s'il y avait quelque chose, s'il y avait un mouvement en roulant, c'était un mouvement sur les deux roues au sol. Aujourd'hui, il y a des mouvements très, très mobiles, très élaborés, sur la roue avant ou la roue arrière. Et, c'est comme une espèce de matière qu'on peut modeler et on peut donner la forme qu'on veut à cette matière. Cette matière, c'est juste le mouvement. Voilà. Et vis-à-vis c'est du... ça la grosse évolution, pardon. C'est vraiment le... c'est passé de figures qui étaient un peu comme... on était un petit peu enfermés parce qu'on manquait de technique. Donc on était peu mobile. Et puis d'abord, on a commencé à enlever les freins à la fin des années 90. Et ça a été une évolution radicale. Voilà, parce que là, on s'est dit que le mouvement pouvait se libérer, que on était quelques-uns en tout cas à y croire. On nous prenait un peu pour des fous à l'époque. Et puis finalement, aujourd'hui, la plupart des riders sont sans frein. C'est devenu une base. Pour que le mouvement, il y a plus d'amplitude. Voilà. Et, en gros, la différence principale, c'est la mobilité. Hustle tough, where I'm from, I don't talk, I just do my job. Team Patlo, how we rolling paper, my we wanna love. Smoke, bossy, the low, riders, BMX force. Fairy tale, no bitch coming Santa Claus. We live so real as we can next to the death. We are so close. And for my dogs, I got one hope. Put down the gun. I don't wanna see them smoke. Too many fake gangsters. How many betrayers on my road? I know where I'm from is the same for the way I gotta go. Further, firehood, represent my hood. I present my block. That's not a present, but with music I grow. Never learn to talk. We build a comfortable step. I walk in the sky, on the moon. So many thoughts since I'm astronaut. Hate it all up. Seems like we are not in same world. Underground is the name of the temple, rap is my master. I must out with success, money hat like a bastard. I don't wanna be like Chris, Jess and Nicky. Like Mace, I'll be your pastor. I start rap half 40 years old, the same for half Roby. Don't come around with commercial fuck me. Sorry, I just do my thing. Yo, I'm a foreigner. All the things I know is road, man. So many roads, so many people to meet. Everywhere in the world, peace, love. Yeah, only God judge. I know what I must do, stop, talk for nothing. Be hard at heart, don't give a fuck. Underground mission, you know. How you know, guys? What you this, what you that? Splash, track. How about rap?